Voilà, je vous montre le paillon, dans quel état il est, suite aux pluies qu'il y a eu hier et qu'il y aura sûrement encore, puisque la météo ne nous prévoit pas du beau temps. Je voulais commencer cette vidéo par des images de nature, de beauté. Regardez comme notre terre est belle. J'ai beaucoup de chance parce que je vis à la campagne, presque. Je suis à quelques minutes de la ville, mais c'est surtout la campagne. Et je voulais commencer cette vidéo avec vous, comme ça, parce que en ce moment, je dois l'avouer, c'est pas le top. Voilà. C'est pas le top. Et en plus, je m'en suis rendu compte. Pardon, excusez-moi, parce que j'avance. Et donc, ça change. Voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Voilà. Alors, en ce moment, c'est pas le top. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Bonjour, Société Impec. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et c'est pour ça que je me suis forcée à faire cette petite vidéo. Parce que nous vivons des moments difficiles, des moments comment dirais-je, de questionnement. On se pose beaucoup de questions en ce moment. On est perdu, on ne sait pas où on en est. Et même si on a la foi et que on a confiance, le côté mental, les pensées ne peuvent pas s'empêcher, surtout vu ce qu'on voit à la télé, etc. Même si je regarde plus beaucoup la télé, mais de toute façon, on ne peut pas le louper. Hein. À un moment donné, ça passe. Et puis, même quand vous voyez pas regardez pas la télé, vous allez sur YouTube et vous avez toutes les infos. Donc, de toute façon, voilà, d'une façon ou d'une autre, vous êtes au courant. Donc, vous ne pouvez pas y échapper. Avec ou sans filtre, vous ne pouvez pas y échapper. Après, voilà. Nous sommes dans un moment où on se pose mille et une questions. Qu'est-ce qui va arriver? On sait que ça va être qu'on va vivre des moments difficiles, mais à quel point allons-nous vivre des moments difficiles? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à refaire ce monde spirituel dans lequel on veut être sans pour autant recevoir la comment dire, les affres qu'on nous prédit dans la Bible et qui font peur. Oui, société, il ne faut pas vivre les moments difficiles, il faut vivre simplement. C'est un fait. Voilà, alors ça, je m'y emploie, figure-toi. Je m'y emploie, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que vois-tu, comme je suis dans la spiritualité, je suis toute seule à être dans cette. Je dirais pas un mouvement parce que c'est beaucoup plus important qu'un mouvement, mais à être comme ça, quoi. Vivre de telle façon que bon, faut prendre la vie comme elle est, la vie est belle, etc. Et à côté de ça, je vis plein de choses. Les gens qui sont spirituels le savent. On vit plein de choses à côté. Et je suis toute seule parce que je ne peux pas en parler à qui que ce soit à la maison sans qu'on me prenne pour une fandango. Donc voilà, j'ai besoin de. Bien sûr qu'il faut chercher sa propre victoire, mais ça, j'en doute pas. Et c'est ça. Donc il faut chercher ce qui résonne en nous. Alors, moi, je fais cette vidéo pour ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire qui sont dans le doute, mais ce n'est pas le doute vraiment de se dire il y a un Dieu, il n'y a pas un Dieu. Non, c'est pas. C'est juste un doute, le doute de se dire, mais au final, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Parce que là, en ce moment, il y a une panoplie inimaginable de dieux qui se présentent sur YouTube. Tous sont les vrais. Et le problème, c'est que l'un d'eux, c'est justement celui qui m'a fait fuir quand
J'étais petite quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, on m'a montré, on m'a fait comprendre qu'il y avait un Dieu, donc ça c'est mon ancienne croyance, qu'il y avait un Dieu et que le Dieu miséricordieux qu'il soit, pardon, excusez-moi, pouvait quand même se fâcher et avoir des colères phénoménales et tuer les gentils comme les méchants. Alors moi, ce Dieu-là, il résonne pas en moi. Je sais pas chez vous, hein, mais un père qui aime ses enfants va pas leur faire de mal, va pas les tuer, va pas les assassiner. On sait qu'il y a le karma et que le karma est là pour ça. Donc il y a l'univers, il y a le karma est là pour ça. En fait, c'est marrant parce que juste avant, j'ai fait une vidéo, mais je ne me reconnaissais plus sur la vidéo. Cette vidéo, je ne vous la poste pas. Elle est sur YouTube. Si vous voulez aller voir ma chaîne et la voir, vous la verrez. Autrement, vous ne perdrez pas grand-chose au final parce que je ne me reconnaissais pas. J'étais tellement mal que je ne me reconnaissais pas. Coucou Delphine. Et donc tout ça pour dire, parce que j'ai parlé avec mon frère et ma soeur, et ils sont tous les deux pareils en ce moment, c'est le questionnement. Pourtant mon frère a ses propres croyances, ma soeur en ce moment elle est un peu perdue, moi je sais ce qu'il en est, j'ai beaucoup de... j'ai la foi et tout. Il n'empêche que, voilà. Dieu, ah ouais, Dieu va pas sur YouTube. Dis-toi bien, mon cher société, que Dieu, il est partout. Parce que justement, suite à la vidéo que j'ai fait où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Bah, figure-toi que j'étais faire un tour sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo qui m'a complètement rassurée. Parce que figure-toi que je me sens mal. J'ai pas de dépression. Je prends des antidépresseurs, je peux pas faire une dépression. Non. Je me sens mal en fait depuis que la cathédrale a brûlé à Paris. Voilà, parce que je sais pas pourquoi je l'aimais pas cette cathédrale. Alors, je l'aimais pas, je sais pas, j'y suis allée une fois avec l'école quand j'étais petite, j'ai eu du mal à rentrer. J'ai vite fait le tour pour en ressortir. Les gens étaient là, oh mon Dieu, que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau. Moi, je trouvais ça horriblement triste, triste et sans lumière. Et bref, c'est vrai qu'elle était en construction, enfin, elle était en réparation à l'époque, mais je trouvais ça vraiment. C'est pas un endroit où j'aurais été me réfugier, même si j'étais dans la rue. C'est pas là que j'aurais été me réfugier, quoi. Nous, néanmoins, le geste, ce fait qu'elle ait pris feu d'un coup, si vite et tout, m'a amené plein de questionnements. Mais plein. À savoir, mais qui, mais quoi, mais comment, mais pourquoi, plein de questionnements. À ces questionnements, j'avais trouvé des réponses, mais les réponses n'étaient pas en adéquation avec mon cœur. C'est les réponses que j'avais trouvées, elles m'angoissaient, elles me stressaient, ça n'allait pas, donc je les ai mises de côté. Et j'ai continué à chercher. J'ai continué à chercher, et oui, après, société, pas de souci. J'ai continué à chercher, et après avoir. J'ai trouvé, enfin, je me suis trouvé une solution en me disant oui, en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste une question politique. Et là, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo qui m'a justement permis de me lancer de ce côté en me disant effectivement, c'est une question politique et c'est une question de gros sous qui est encore là-dessus. Et il y a des choses qu'on nous a cachées encore. Et derrière le feu de la cathédrale, il y a quelque chose d'encore plus fort qui est en train de se préparer. Donc, ça m'a un peu rassurée sur le fait que, voilà,
J'ai trouvé quelque chose qui me convenait, qui était en adéquation avec ce que je pensais, et donc ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée sur toutes mes angoisses, sur certains de mes questionnements. Ah, je ne dis pas que ça va pas revenir, hein, ça va sûrement revenir parce que je me connais, hein, moi, mes pensées, mon mental, je le sors par la porte, il revient par la fenêtre. C'est horrible, mais c'est comme ça, et j'ai beau pas lui donner de suite. Le moindre moment d'inattention, ça y est, je suis partie ailleurs. Pas besoin d'avion ni de bateau pour voyager. Moi, mon mental, il m'emmène là où je voudrais pas aller d'ailleurs. Donc, c'est vous dire. Moi, je veux croire que nous sommes les créateurs de notre vie. C'est-à-dire que moi personnellement, je souhaite une vie où il n'y aurait plus de famine, où les gens pourraient vivre en harmonie. Où la maladie n'existerait pas, où le bonheur serait dans le cœur de tous les êtres humains, mais tout ça sans passer par une catastrophe mondiale nucléaire, etc. Moi, je veux donc. Comme disent beaucoup, je suis souveraine dans mon royaume. Donc, je veux que cela se fasse avec modération, avec discernement. Le Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur, lui, est capable de ça, j'en suis certaine. Il n'a pas besoin de faire sauter la planète, il n'a pas besoin de faire des catastrophes. Lui, il est capable de nous aider, il est capable de faire, il est capable de voir ceux qui sont de son côté ou qui ne sont pas de ce côté, ceux qui sont capables de le comprendre ou ceux qui ne sont pas capables de le comprendre. Voilà quelque chose qui résonne en moi. Voilà, ça, là, en me disant ça, je suis en accord avec mon cœur. Je suis en accord avec mon cœur. Un Dieu d'amour, un Dieu qui est là pour nous aider. Je ne veux pas m'être trompée et me dire qu'en fait c'est le Dieu de la Bible qu'on a. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est juste pas possible pour moi. Et celui-là, il me fait trop peur. Il me fait trop peur. Mais j'ai pas envie d'avoir peur de lui. J'ai envie de pouvoir aller vers lui, de lui tendre la main. Si j'ai peur de quelqu'un, je vais pas aller vers lui, je vais pas lui tendre la main. Donc je pense que là-dessous aussi, je pense. Non, mais je pense pas. J'en suis certaine. Là-dessus aussi, il y a beaucoup de mensonges. Bon, la Bible a été écrite 400 ans après les effets, donc bien sûr, il y a dû y avoir, il y a eu le bouche à oreille. Il y a eu le bouche à oreille. Après, je dis pas qu'il y a quelques personnes qui ont eu des ressentis, mais le ressenti, encore faut-il bien les exprimer, parce que moi, quand j'ai des ressentis, des fois, j'ai du mal à trouver les mots. Donc, faut-il encore bien les exprimer? Et il y a plein de choses comme ça qui me disent que, voilà, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Et il faut chercher en soi ce qui nous fait du bien, ce qui résonne. Voilà, ce qui met notre cœur en joie, voilà. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Sur l'autre vidéo, j'en parlais. Je dis hier j'étais complètement. Je sais pas. J'étais partie dans du bas astral, mais c'était une horreur. Hein, et j'avais absolument besoin d'être rassurée. Absolument. J'étais pas bien, il fallait que je sois rassurée. Et j'ai donc posé une question, la même question, par un qui m'a donné. Bonjour. Tu m'entends? Me reçois? Je t'entends pas bien.
Je t'entends. Ah, bah, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Et avant d'être en vidéo, tu m'entendais? Oui, très bien. J'ai beau essayer de Très voir, bien. mais... Ok. Sans mettre la vidéo, sans mettre la vidéo. C'est vrai que je t'entends mal aussi. Ça bloque tout. En fait, tu restes coincé. C'est horrible, hein? C'est horrible. Ton visage, il a respecté l'image. Ah ouais, non, pas toi. Toi, ça va à peu près. Non, toi, ça va. Attends, je vais essayer Oui, bon, ça d'enlever. va. Attends. Voilà. J'ai enlevé le Wi-Fi parce que comme je suis dehors, je me mets en 4G. Peut-être que ça ira mieux. Oui, maintenant, ça va. Ben voilà. C'est bon. C'était une histoire de Wi-Fi. Ouais, donc je disais on est dans un état de questionnement et je me pose pas mal de questions. Je ne dois pas être la seule à me les poser, mais le problème, c'est que on m'apporte pas. On me dit, oui, la réponse est dans ton cœur. Bah, bien sûr qu'elle est dans mon cœur, ça je veux bien, je le sais, je le sens au fond de moi Non, qu'elle est dans mon cœur. voilà. La réponse, elle est dans ton passé. Tant que tu ne mets pas ton passé de côté, tu ne pourras jamais vivre convenablement. Parce que Mais tu as le souffert. Tu as souffert quand tu étais petite. Et tant Oh, que mais tu... Non, mais tant que tu as cela dans ta mémoire, tu ne peux pas vivre avec ton cœur. C'est pour ça que je t'ai demandé, ta maman, elle est décédée ou pas? Oui, elle est Oui, décédée il y a 4. c'est pour ça que je l'ai marqué. C'est pour ça que je t'ai demandé en vidéo. C'est pour ça que je viens de te dire quelque chose. Moi, je parle avec ta maman. Et ta maman, c'est pour ça que moi, j'interviens dans la vidéo. Et moi, je parle avec les morts. Et je parle avec ta maman. Et moi, je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois. C'est la première fois qu'on parle ensemble. C'est la première fois qu'on se voit comme ça, par caméra. Ta maman, elle me dit, tu as quelqu'un qui a souffert énormément à cause de ton passé. Et tu ne dois plus vivre comme cela. Tu es divorcé. Elle me dit que tu as souffert avec ton mari. Comment? Tes enfants ont souffert énormément aussi. Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est ce que ta maman me dit maintenant. Elle me dit, ma fille, je t'aime de tout mon cœur. J'écoute ses paroles, j'ai du mal à voir un visage. Elle a souffert énormément. Je ne sais pas à cause de qui. Je ne sais pas à cause de qui. À cause de la famille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a eu une grande dispute qu'elle me dit. Et je ne sais pas, elle me dit que la façon que tu vis, que tu te recherches, tu te trompes. Ta maman, elle t'a toujours aimé. Et ça, je sais. Mais non, toi, tu ne le sais pas. Parce que maintenant, tu fais trop de dépression. Moi, je ne te connais pas, c'est ta mère qui me dit ça. C'est ta mère qui me dit que tu fais trop de dépression, même en étant jeune. En étant jeune, tu as beaucoup pleuré. Et alors, elle a dit, arrête, arrête, parce qu'elle veut vivre en paix. Et tant que tu n'as pas le sourire de l'amour, elle ne peut pas être heureuse, mais elle t'aime énormément. Elle dit simplement, ma fille. Je l'aime énormément aussi, ma mère. C'est Non, tout pour moi, ma écoute-moi. mère. Non, mais écoute-moi ce que je te dis. Tu dois arrêter tes médicaments, qu'elle me dit. Tu dois arrêter de te lamenter sur ta vie à toi. Pense que tu as des enfants et ils prennent exemple sur toi.
et ils finiront comme toi. Et si tu aimes tes enfants, pense à ta maman. Parce que ce que tu fais là est autre chose que de ce que tu fais chaque jour. Si moi je te parle maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'on se parlera plus tard, je ne sais pas. Mais je sais ce que ta mère, elle veut. Elle veut que tu changes ta façon de voir les choses. Elle dit simplement, arrête tout médicament. Arrête de penser de ce que toi tu fais maintenant. Arrête de faire d'être malade comme ça pour rien. Et montre l'exemple à tes enfants. Arrête tout ce que tu fais maintenant parce qu'elle veut mourir en paix. Malheureusement, elle pleure énormément où elle est. Je répète les mots qu'elle me dit chaque moment. J'ai difficile, j'ai très difficile parce qu'elle a un accent, elle a un accent, elle a quelque chose qu'elle souffre énormément ou alors elle pleure énormément. Elle me dit, arrête tout ça. Arrête cette chose-là à te morfondre simplement parce qu'elle a le droit de vivre en paix. Et ton papa aussi. Simplement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ton papa. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ton papa parce qu'elle ne veut pas m'en parler. Mais mon Mais père, il est encore en vie. oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça, je ne sais pas ce qui s'est passé avec tes parents, mais toi, prends exemple sur ta propre vie à toi et ne prends plus rien. C'est ce qu'elle me dit. Et après, je ne sais pas. Et elle est dans la voie de Dieu. Elle est dans la voie de Dieu depuis des années. Qu'elle est là-haut. Il faut la laisser vivre sa vie pour ne plus qu'elle souffre, parce qu'elle te voit malheureuse chaque jour, chaque moment. Quand tu te lèves, tu es malheureuse, tu as du mal à sourire, tu fais semblant de montrer une image qui n'est pas la tienne. Tu es une fille si douce, tu es une fille qui a toujours été là pour les autres, mais personne n'a été là pour toi. Et arrête. Parce que tu as encore le temps de vivre. Voilà, tout simplement, ce sont les paroles de ta maman. Je te remercie parce qu'il y a, y a vraiment du vrai dans ce que tu dis. C'est complètement. C'est pas C'est. moi, c'est je sais pas comment tu t'appelles. Maria m'appelle. Comment? Marie? Maria. On Maria, sait pas. écoute. Oui. Change sur Facebook souvent. Hein? On fait des échanges sur Oui. Facebook souvent. Oui, mais ici, moi, je ne te parle pas au nom de personne, je parle au nom de ta maman. Oui, j'ai bien Tu compris. n'as pas à me remercier de rien. Moi, c'est ma nature comme ça. Moi, je suis là parce que ta maman voulait parler avec toi. Et toi, tu ne peux pas parler avec ta maman. Ou d'autres, comme on voit sur Facebook, ils disent du n'importe quoi. Ils ne connaissent pas l'avenir. Moi, je viens par la parole de ta maman. Arrête tout ça, Maria. Arrête tout ça parce qu'elle le demande ouvertement. Elle t'aime de tout son cœur. Mais laisse-la mourir en paix. N'engendre pas autant de colère, autant de haine que tu peux avoir par rapport aux yeux de la vie. Elle te demande d'arrêter tout ce que tu fais, médicaments, et sois simplement une mère constructive pour toi-même. Et montre à tes enfants le bonheur que tu peux avoir avec toi-même. C'est simplement les paroles de ta maman. Et après moi, je ne sais pas plus. Je ne sais pas te dire, je ne connais pas les médicaments du remède. Elle me dit de dire ça. Parce qu'elle te connaît. Simplement. Et après, moi, je ne demande pas d'argent parce que ça ne fait pas partie de mon truc. Je parle avec les morts. Je suis quelqu'un qui est là pour les gens. Mais aujourd'hui, j'ai intervenu parce que ta maman, elle voulait
te dire je t'aime. C'est simplement ça. Et arrête tous ces médicaments parce que tu es en train de te détruire tout simplement. Et laisse-la mourir en paix. Laisse-la mourir en paix parce qu'elle souffre pour toi. Ton frère, c'est la même chose. Il a fait beaucoup de mal dans sa vie. Il a fait beaucoup de choses que ta maman me dit, je ne sais pas quoi. Et alors, vous devez arrêter tout ça et vous construire tout le monde ensemble. Ta famille, vous devez vous construire et pas vous séparer comme ça. Et pas vous séparer comme vous faites. On n'est pas séparés. Si, vous ne vivez pas ensemble. Oui, mais vous ne voyez pas. Parce que... Mais vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, c'est pour ça que j'interviens par rapport à ta maman. Et après, elle me dit, essayez de remonter tout cela. Ne prenez pas ces médicaments qui ne servent à rien. Parce que si tu veux parler au nom de Dieu, tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas pur. Tu n'es pas pur avec toi-même. Parce que tu prends des médicaments. Quand tu dois parler avec Dieu, tu dois être pur, saint et de corps et d'esprit. Mais tu ne l'es pas. Moi, je parle avec Dieu. Je parle avec Dieu, je communique avec Dieu et je suis la parole de Dieu. Et ce que vous faites là, vous êtes dans l'erreur. Vous prêchez quelque chose que vous ne savez pas. Mais je ne prêche pas, simplement. Je te demande. Je ne prêche pas. Je te dis, la Bible, les églises, les Corans, les juifs, les religions n'existent pas. C'est l'homme qui l'a inventé pour engendrer de l'argent. Dieu, il dit simplement comme ça. Je suis l'amour et la mémoire de la vie. Seul, je vous la donnerai. Tu ne peux pas comprendre ces paroles. Les paroles viennent de Dieu. Moi, je ne suis qu'un messager de la vie. Je ne suis qu'un messager de Dieu. Et Dieu, il te dit, ne sois pas indulgente avec toi-même, mais prie au nom de la parole de Dieu, mais pas de l'homme. Simplement, moi, je te dis ce que Dieu est. Dieu, il est. Il est comme ça. Mais les gens se trompent dans la vie. Parce que même quand tu vois sur Facebook, les gens ils disent du n'importe quoi sur Notre-Dame, sur tout. Vous êtes dans l'erreur. Le monument, la cathédrale qui peut être Paris, n'appartient pas à Dieu. Il appartient à l'homme qui a construit pour engendrer de l'argent. Et Dieu, il dit simplement, je ne suis que l'amour de tous et le bonheur de un. Je ne suis pas le malheur de l'autre. C'est ça que vous devez comprendre. La parole de Dieu est celle de la vie. Quand tu entendras d'autres parler comme moi, ça veut dire qu'il reçoit la parole de Dieu. Au moment que personne ne parle comme moi, ce ne sont pas les diables, c'est des gens qui ne comprennent pas la vie. Et après, voilà, moi, je te dis ce qui est dans la vie, dans le futur, et ce qui est en... Je ne suis pas psychologue, je suis simplement quelqu'un qui parle avec les morts, je suis voyant. Je parle au nom de la parole de Dieu, parce que je parle beaucoup avec lui. Je vois tout ce qui se passe dans le futur. Le feu qu'il y a eu à Notre-Dame, je le savais depuis des années. Tout ce qui se passe maintenant avec les gilets jaunes, je le sais depuis des années. C'est pour ça que je suis venu en France, pour prêcher la bonne parole. Parce que vous vous trompez dans n'importe quoi. Les millions qu'il y a en France, en Italie, en Chine, ou n'importe où, vous vous trompez. Parce que vous croyez à une substance ou à une nuance, mais Dieu n'est pas une colère. Dieu est une vie. Quand tu vas prier, ce n'est pas dans une église, dans une mosquée. C'est devant un arbre, devant une vie, devant un enfant. Sans qu'il loie une haine. C'est ça la parole de la vie de Dieu. Et tant que tu prends des médicaments, tant que tu prends tous les dépresseurs, et si elle là, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Parce que Dieu, il est contre ça.
L'homme, ton médecin qui t'introduit cela, c'est une chose. Mais toi, tu es en bonne santé, Maria. Ne va pas chercher des choses à midi à 14h. Reçois l'amour de Dieu et la parole de Dieu. Je viens de te la dire maintenant. Et va rechercher ça. Et va dire aux gens que Dieu viendra bientôt chez vous, chez tout le monde. Parce que vous devez comprendre ce que vous faites tous maintenant, vous êtes tous dans l'erreur. Tous. Les prêtres, les mosquées, les juifs, tout ce que vous faites maintenant, vous faites tous dans l'erreur. Vous êtes tous dans l'erreur complète. Les catholiques, les protestants, les juifs, les témoins de Jéhovah et tout le tralala, ils veulent ramener que de l'argent. Et Dieu y ramène que l'amour et la vie. C'est ça que moi je vous dis. C'est pour ça que moi je vais prêcher. J'ai fait le Var jusqu'au Pays Basque pour prêcher la parole de Dieu. Pas la parole de l'homme. Tout ce qui est écrit dans la Bible, dans le Coran, c'est du n'importe quoi. C'est un homme qui a écrit des histoires bien racontées pour gagner de l'argent, pour qu'il y ait des fidèles. Et en fait, les gens deviennent infidèles à eux-mêmes, à leurs paroles, à leurs coutumes, à leur conscience, à leur science. Ils sont infidèles. Et Dieu ne demande pas ça. Lui, il demande que tu fasses l'amour avec toi-même, le sourire avec toi-même et être bien dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur. Et quand tu as cela, tu peux parler avec Dieu et parler avec les gens. Tant que toi, tu n'es pas bien, Maria, tu ne peux pas parler avec les gens. Voilà pourquoi. Quand tu dois parler avec quelqu'un ou avec moi, tu peux parler parce que, voilà, je suis quelqu'un d'autre. Mais quand tu parles avec ton frère, tes enfants, tu ne peux pas parler au nom de quelqu'un, au nom de quelque chose, parce que tu prends des médicaments. Tu prends celui qui fume, par exemple, tu ne peux pas parler avec quelqu'un qui ne fume pas, ou quelqu'un qui va prier Dieu. Il ne peut pas fumer et boire. Il doit être sobre. Il doit être corps et d'esprit. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas 36 millions de personnes qui est bien dans le monde. Il y en a un qui est en train de parler de Dieu, c'est moi. Parce que j'ai reçu depuis des années, j'ai 45 ans, depuis plus de 40 ans, il y a plus de 40 ans, j'ai reçu la foi de Dieu. Pas au nom des religions, au nom de l'argent, mais au nom de la vie. Parce que je sais comment ça se passe dans le futur. C'est pour ça que je dis, arrête tout ce que tu prends maintenant. Et va parler au nom de toi pour ta famille. Et après de là, quand tu seras bien guéri, tu pourras parler avec les gens. C'est pour ça que je voulais intervenir par rapport à ce que ta maman m'a dit pour te le dire à toi. Tout simplement, Maria. Mais je te remercie Voilà. d'avoir été le canal. Merci beaucoup. C'est Xavier, par exemple, il marque, qu'est-ce que tu peux raconter comme bêtise? MDR. Ça, ce sont des gens qui sont incompris. Ce sont de... Xavier, c'est juste mon mari. bien sûr. Il est... Ce sont des incompris. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il y a. Et lui, il doit comprendre tout ce qui se passe dans les choses, dans le milieu de ce que vous vivez chaque jour. Tout le monde, et même moi, même ma femme, même mes enfants, mon père, ma mère, tout le monde. Tant que même mon père, par exemple, quand je dis papa, quand tu parles avec moi, ne fume pas devant moi, ne bois pas devant moi. Et alors, mon père, il m'a dit, écoute, Marco, je pensais pas qui tu étais exactement. Il m'a dit, tu as été un fils pour moi, mais tu n'es plus mon fils. Tu appartiens au monde. Et ça, je te parle, il y a 2 ans d'ici et j'ai 45 ans. Et c'est important de faire comprendre les choses dans ta vie. Et arrête tous tes médicaments. Et après, tu pourras parler avec les gens. Parce que les gens, moi, pour moi, tu es une brave personne, tu es une brave femme. Mais tu n'es pas une femme, tu es un enfant qui souffre. Tu es un enfant qui souffre tellement à l'intérieur de toi. Tu dois absolument changer.
changer cela. Mais tu dois être sain, corps et d'esprit. Voilà ce que ta maman me dit. Voilà, Maria. C'est ce que moi je voulais dire depuis que je raconte pas ça à tout le monde, parce que je ne peux pas parler au nom de ce que moi je ne sais pas. Mais quand le mort m'interpelle pour parler avec la personne, je suis obligé de le faire. Voilà pourquoi. Quelquefois, je peux parler en colère, quelquefois, je peux être d'amour, mais ce n'est pas moi qui le fais, parce que je parle au nom de la personne. Quelquefois, je peux être insultant, je peux insulter, parce que ce n'est pas moi qui parle, mais je parle au nom des gens qui sont plus de ce monde. Et laisse ta maman mourir en paix, de vivre dans une paix. Et sois en paix avec toi-même. Voilà, tout simplement. Et sois constructive pour ton avenir à toi. En résumé, si je comprends bien, le fait qu'elle me voie prendre des médicaments et me dire malade, ça l'empêche, elle, d'évoluer, c'est ça? Et tu es en train de te mettre dans un cercueil, Maria. Pourquoi ça? Elle te voit, tu es quelqu'un de... avec tout ce que tu prends, tu prends des aliments qui ne servent à rien. Ton cœur est pur. Laisse-le pur, ne le détruis pas. Ce que ta maman me dit. Et après, tu fais comme tu en as envie. Moi, j'ai dit, je ne suis que le messager. Moi, je ne suis que le messager. Je ne sais pas, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je sais de ce qu'elle me dit de te dire, tout simplement. Je ne te connais pas. On n'a jamais parlé ensemble en caméra. Je ne sais pas où tu habites. Je ne sais pas comment que c'est. Je sais bien que je ne suis que le messager. Simplement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Ouais. Et je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. Moi, je peux. Je te souhaite une bonne journée. Réfléchis ce que je te dis, ce que ta mère t'a dit. Et après, moi, je ne peux pas faire autre chose que ce que moi, je fais maintenant. Ouais, enfin, t'inquiète pas, je vais te poser des questions, t'inquiète pas. Je te souhaite une bonne journée une bonne journée à toi et des gros bisous. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon ben voilà, hein, ça a été la surprise. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à ça, donc vous avez été... témoin de quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Même si je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il a dit, il y a des choses qui sont vraies. Je vais chercher un peu plus. Voilà. Ben, c'était un moment assez important et relativement intense pour moi. Donc, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt dans de meilleures circonstances. Je vous aime. Bye.